Faire un film sur un chaman pose immédiatement la question du point de vue. Faut-il tenter de représenter ce qu'il vit de l'intérieur ou de filmer sa condition sociale? Rapide avis sur un film qui sort mercredi 24 avril. Un jeune chaman de la réalisatrice mongole Purev Öcir, elle raconte comment un jeune homme exerce comme chaman alors que tout le pousse à renoncer. J'avais envie de vous parler de ce film pour son point de vue. J'ai déjà parlé sur cette chaîne de mise en scène de visions chamaniques, mais c'était à chaque fois des films écrits, réalisés par des personnes extérieures aux traditions qu'ils rapportaient. Ici, on a la chance d'avoir le point de vue d'une jeune femme mongole qui peut nous raconter de l'intérieur ce que c'est le chamanisme. Le regard de la réalisatrice va être très social et se concentrer sur la confrontation entre les croyances associées au chamanisme et la vie urbaine. Zé vit dans un des rares quartiers encore composés de yourtes. Lorsqu'il se rend à l'école, il s'habille avec un costume d'écolier, on voit des voitures, des smartphones, c'est comme ce qu'on pourrait expérimenter en ville, en France ou en Occident en tout cas. Il est au lycée et se fait un peu bizuter à cause du fait qu'il exerce en tant que chaman, ça le rend bizarre aux yeux des autres. Le film est un coming of age assez classique dans sa structure, avec une rencontre amoureuse qui nous rend très attachants les personnages. Уулын дээгүүр хөвөөл хот улам жижиг юм болоо л Яг ой модон дунд ганцаараа төрчихсэн юм шиг Je voulais faire cette vidéo pour relever certains choix intéressants dans la confrontation entre les injonctions traditionnelles et les tentations de la vie moderne. Le rôle de Zé, en tant que chaman, c'est de se faire posséder par l'âme d'un de ses ancêtres afin de prodiguer des conseils et participer à la bonne fortune ou la guérison des gens qui viennent le voir. On ne verra jamais, nous, spectateurs, ce que Zé a expérimenté de l'intérieur. Mais on peut entendre et voir sa transformation. Sa voix change, sa posture aussi, il se met à fumer en tenant bizarrement sa cigarette. Il incarne une sorte de personnage. Au fur et à mesure du film, il s'expose à des images qui semblent le parasiter, Instagram, les jeux vidéo, la pornographie. On le met aussi en garde contre l'alcool. Ces images finissent par provoquer un blocage. Il n'arrive plus à rentrer en transe. Premier rapprochement que je fais, c'est avec le livre Voyager dans l'invisible de Charles Stepanov, un anthropologue qui a étudié le chamanisme. Une des thèses du livre, c'est que les sociétés occidentales ont externalisé les capacités mentales. On a la calculatrice pour calculer, l'écriture pour mémoriser, et on a de plus en plus de technologies pour externaliser les capacités d'imagination. Il fait notamment le rapprochement avec le jeu vidéo, où l'on incarne un avatar visitant différents mondes. Selon lui, les peuples où les traditions chamaniques sont encore fortes ont musclé les capacités d'imagination qui nous sont, nous, plus difficiles sans technique. En voyant le film, je me suis demandé s'il était donc encore possible de maintenir pour la culture mongole des traditions chamaniques face à toutes ces images et stimulations apportées par l'Occident et le capitalisme. Je parlais tout à l'heure d'incarnation, c'est l'autre point fort du film puisqu'on voit bien comment Zé, au-delà du costume de chaman, est un être capable de se mettre à la place des gens autour de lui. C'est comme s'il y avait un continuum entre l'intuition et l'empathie. Ça rappelle directement le travail d'acteur, être capable d'avoir suffisamment d'empathie pour comprendre un personnage de l'intérieur, deviner ses actes et ses émotions. Ça ouvre des réflexions intéressantes sur le métier d'acteur en le mettant en parallèle avec celui de chaman. Est-ce qu'à force d'imiter son ancêtre, Zé devient le temps de la cérémonie ou le temps d'une scène, son ancêtre? En se refusant à toute image spectaculaire, on a donc beaucoup de place à imaginer la vie intérieure du jeune homme, à la fois lorsqu'il est perdu dans la vie et lorsqu'il tente d'entrer en transe. Comme le chaman est un intermédiaire entre le monde matériel et spirituel, la cinéaste devient une traductrice entre sa société et la nôtre. Peut-être pour se rendre très lisible pour nous occidentaux, la mise en scène devient parfois classique, naturaliste, visant un standard international du film d'auteur. Vers la fin, on a un aperçu de ce que pourrait être un cinéma social, documenté, mais avec une mise en scène transcendée par l'aspect mystique du métier de chaman. Sans spoiler, on peut dire que c'est par un jeu de montage que le temps et l'espace se voient mélangés. Ce sera une des rares visions nous permettant de voir le monde tel que Zé le perçoit, au filtre de sa culture et ses croyances sur les esprits. Je pêche sans doute par exotisme en attendant une forme spectaculaire associée à un sujet aussi entouré de fantasmes qu'est le chamanisme. La réalisatrice a peut-être aussi voulu rester modeste en parlant d'un point de vue de jeune femme mongole sans être chamane elle-même. En tout cas, c'est un projet intéressant de vouloir documenter le rôle social de chaman, c'en est un autre de vouloir faire du cinéma une expérience transformatrice. Le film choisit donc délibérément de montrer le chamanisme comme un phénomène social, un point de vue extérieur sur un personnage qui restera en grande partie mystérieux.